Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite maison. Alors les amis, place à l'intro. Alors les amis, du coup, oui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'A3 Tuto, bien évidemment. Et aujourd'hui, du coup, j'ai sélectionné la map relief pour pouvoir créer notre petite maison. Alors effectivement, je n'ai pas préparé les blocs, hein. Petite ellipse le temps que je prépare les blocs, et puis je vous explique en même temps qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc, les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une maison dans le style, du coup, médiéval. Donc, une petite maison champêtre, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, qu'on peut trouver peut-être... Ouais, allez, dans les abords d'une muraille, hein, comme dans la précédente vidéo. Donc, voilà, un petit truc assez simple. Donc, ça va pas être... très compliqué non plus. Donc voilà les amis, donc ça va être assez simple. J'ai préparé du coup les blocs pour notre truc, donc vous allez voir, il faut quand même pas mal de blocs. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est si vous faites une ville, vous allez prendre un bloc coloré. Et vous allez tracer votre chemin de maison. Voilà, bon. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais le faire directement avec ma stone brick. Pourquoi de la stone brick, évidemment, les amis? C'est pour les fondations. Parce que temps médiéval, on utilisait énormément les fondations. Alors, je le rappelle, hein, pour rendre une structure assez belle, il vous faut un relief. Voilà, donc, pas forcément, ne construisez pas sur une map entièrement plate, c'est moche et c'est dégueulasse. Construisez directement sur du relief fait par un terraforming, fait par la nature, fait enfin par la nature, par la génération de Minecraft. Voilà. Jouez aussi avec la hauteur. Nous, on va pas jouer spécialement là pour aujourd'hui. On va jouer dans le coin là. Voilà. Donc, hein, voilà, on va jouer du coup avec le relief. Hop, voilà. Donc, essayez de faire des constructions impaires. Voilà, petit conseil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, hop, j'ai reculé, tac, de 3, comme ça. Donc là, j'ai 3, mais j'ai 4 comme ça. Voilà, donc là, vous allez compter comme ça, hein. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 c'est bien, je pense. Et on part comme ça. Voilà. Alors pourquoi je suis remonté là? C'est parce que on va faire cette aile là un tout petit peu plus haute. Voilà. Pourquoi? Juste pour garder, comme je vous ai expliqué, le relief. Voilà. Donc là, nous allons casser. Et puis voilà. Vous avez vu, au final, c'est hyper simple. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à... Soit vous le faites maintenant, soit vous vous attendez à faire une fondation. Voilà. Donc la fondation, c'est vraiment vous recouvrez. Si vous êtes en survie, n'oubliez pas les torches là où il y a des blocs vides. Bien évidemment, les amis. Ça va vous permettre déjà d'être pas emmerdé par les mobs, par les creepers. Parce que eux, vous n'allez pas les voir. Voilà, donc vous avez vu, déjà une fondation assez simple, hein. Voilà, donc, après on rajoutera quelques détails dessus, rassurez-vous. On va rajouter tout de suite, du coup, ah non, j'ai oublié un bloc. Alors, on va l'utiliser de temps à autre, voilà, puisque on va commencer à faire des fondations déjà de la maison. Donc on va utiliser du bois. Et ne commencez pas là, hein, ça ne sert à rien, c'est moche, commencez directement là. Alors hop, 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 hop. Qu'est-ce que vous pourriez faire là, je sais pas trop, hein, très franchement. C'est vrai que ça fait assez petit, mais juste déjà vous faites ça, je pense que ça peut déjà pas mal aider. Alors on va... non, on va pas casser ça. Enfin, si, on va voir qu'on peut faire ça comme ça. Voilà.
Ça peut très bien le faire. Ou alors juste comme ça. Oui. Allez hop. Approuvé. Tac. Et voilà, donc comme je vous ai expliqué dans le tuto précédent, je prends ces blocs là, vous pouvez en prendre bien évidemment d'autres. Ça va dépendre de votre choix par rapport à votre construction. Voilà. Et par rapport à votre pattern dans votre village. Alors là, c'est vrai que ça va pas rendre spécialement beau. Au début, en tout cas. Voilà. Donc je pense que là, ce qu'on va faire, c'est on va même casser ça. Hop. On va y mettre carrément des blocs pleins. Alors, comme je vous ai expliqué, ne collez pas spécialement vos blocs. Mais là, on va le faire exclusivement parce qu'on va rajouter du détail après dans ce coin-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin de mettre des blocs comme ça. Voilà. Donc, moi, je vais monter tout pour attaquer le deuxième étage. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, les amis, petit timelapse. Donc voilà, nous avons attaqué du coup la base, qui était réellement assez simple, je vais pas vous le cacher, hein, elle est pas très détaillée, peut-être faites un peu plus de variété, voilà. Mais on va arranger ça très rapidement les amis, puisqu'on va jouer avec le spruce, cette fois-ci, et on va faire, bah on va élargir en fait la maison. Donc je vais pas vous mentir, hein, le thème médiéval c'est pas mon fort. Donc je vais essayer de faire un truc qui marche, hein, les amis. Même si toutefois, comme je vous le rappelle, ce n'est pas mon fort. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre du coup des bûches à ce niveau-là. Moi, je vais tout monter au même niveau. Voilà. Même si à terme, on ne sera pas au même. Hein. Voilà. Tac. Et une fois que vous avez fait ça, bah, je pense que déjà, vous pouvez mettre soit votre sol... Si vous le souhaitez. Donc moi le sol, je vous conseillerais de le faire à ce niveau là et alors je vais vous le montrer comme ça, c'est une petite astuce. Voilà, tac 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 tac. Alors, et ça va vous faire déjà un pattern pour le toit. Voilà, donc c'est assez décoratif. Bien évidemment les amis, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Moi, je le fais comme ça, mais vous, il n'y a rien qui vous y oblige. Alors, ce qu'on va faire... Tac. Voilà. Je fais comme ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Ça va être pas mal. On peut voir déjà ce que ça donne. Oui, voilà. Là, on y mettra la porte. Donc là, ce qu'on va faire déjà, ça va être y mettre un petit escalier pour rajouter du détail. Toujours, hein, rajouter du détail. Voilà. Là, on va y rajouter des fence gates. Donc des portillons. Voilà. Tac. Et on va rajouter du coup le mur. Donc moi, je prends de la diorite. Beaucoup de personnes vont peut-être pas aimer. Vous pouvez changer, bien évidemment, le bloc par, je pourrais vous conseiller des blocs d'os, des blocs de laine blanche, pourquoi pas, de la sandstone, pourquoi pas, de la polish, etc., de la red sandstone. Vous pouvez varier, bien évidemment, avec du bois, pourquoi pas, du simple oak, hein. Mais moi, je vais partir sur du blanc pour faire, je sais pas, une petite maison en diorite, quoi, pour parce que c'est vrai que c'est pas un bloc utilisé souvent. Et vous voyez que bah, il se marie très bien au final avec le spruce, hein. Donc oui, et c'est vrai que j'utilise énormément le spruce parce que je le trouve assez foncé, et pour du médiéval c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, voilà, tac. Donc moi je vais tout monter vite fait les amis et je vous retrouve tout de suite. Et voilà. Donc,
assez simple. Je n'ai pas mis de fenêtre. Pourquoi? À votre avis, les amis, je n'ai pas mis de fenêtre. C'est parce qu'on va les faire ensemble. Et on va partir sur un truc assez simple à réaliser. Donc, vous faites comme ça. Vous cassez votre bloc là. On va même mettre deux, je pense. Ouais, non, peut-être pas. Hop. Hop. Tac. Et tac. Et là, vous allez prendre une fence. On se pose. Puis voilà. Alors, comme ça, ça fait pas très beau. Je pense qu'on va garder celui-là. Vous avez vu, hein, c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça fait fermer, hein. Bon, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça l'est un peu moins. Mais voilà. Moins ça marche. Voilà. Donc, assez simple, hein. Et si vous vous élargissez un peu mieux, ça sera plus beau, je pense. Toutefois, on peut peut-être faire ça. Oui, ça marche aussi. Voilà. Donc moi, je vais le répéter un petit peu. Ouais, par exemple, je vais le faire là. Tac, tac. Alors, les amis, voilà. Donc là, je fais comme ça, mais vous, voilà, vous pouvez le changer. Je pense que je vais garder ce... Ouais. Je vais prendre ce format-là, il me semble un peu plus beau. Donc, vous voyez, hein, c'est en faisant des tests hein, qu'on s'améliore. Hop, voilà. Au passage, je tiens à vous informer que mes tutos build pour vous montrer comment faire un thème, c'est pas forcément à suivre à la lettre. Hein, les maisons peuvent être carrément différentes et pourtant être aussi jolies. Voilà. Donc, les amis, si vous voulez juste changer quelques blocs, vous allez voir... Ah, pourquoi j'ai changé cette touche aussi? Voilà. Donc, les amis, voilà. Si vous va peut-être rajouter un truc là. Oui. Voilà. Donc, vous avez vu. C'est pas très compliqué. Hop. On casse deux blocs. Tac. Donc, simple à faire en survie, hein. Et voilà. Petite fenêtre. Tac. Et tac. Puis voilà. Là, ce que nous, on va faire, c'est rajouter du détail comme ça. Voilà. Pour ce petit coin-là. Voilà, comme ça, c'est pas spawnable. Voilà. Voilà, après je vous montrerai comment le rendre spawn-proof, mais en soi vous n'êtes pas vraiment obligé. Voilà. Bah, d'ailleurs, non, moi je veux le mettre là, donc je vous montrerai comment le rendre spawn-proof complètement. En faisant un truc tout simple, les amis, c'est en mettant une plaque de pression en spruce. Alors, ça va être sûrement le bloc le plus cher de votre construction, mais mettez-en là où vous pouvez. Si vous pouvez en mettre, c'est que c'est spawnable. Voilà. Donc, tac, tac, tac. C'est invisible. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de le faire. Ça ne se voit pas. Et ça va permettre vraiment de rendre vos constructions plus sûres. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Et on va attaquer le toit. Alors, le toit, moi, je vais partir sur un truc assez complexe. On va déjà retirer tous nos détails en spruce. Et on va prendre de la pierre du nether. Non, pas de la durite. On parle. De la blackstone. Le nouveau bloc de la 1.17. Non, 0.16. 0.16. Voilà, donc un bloc assez beau. Et nous, comme notre entrée est là, on va essayer de faire notre toit comme ça. Tac, tac. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment réaliser un toit dans Minecraft si vous avez des questions par rapport au toit. Je vous mets le lien dans le petit, les amis. Non, d'ailleurs, on va même surélever un peu plus, à mon avis, d'un cran la structure.
Donc voilà les amis, ce que je peux vous déjà commencer à vous donner comme conseil, ça va être déjà de faire, comme vous avez pu voir là, j'avais une petite idée, donc là je vais faire une tour un peu plus haute directement, donc qui sera pas lié à ce toit là. Et là nous allons continuer un toit, tout ce qui est plus basique, donc vous allez voir ça va faire une petite variété. Et j'ai déjà tracé mon arc ici pour la toiture. Alors effectivement ça monte très haut les amis, donc bon c'est pas grave, ça veut dire que vous pouvez peut-être rajouter une fenêtre par exemple, voilà par exemple hein. Ou alors une sortie pour une cheminée ou autre, je sais pas trop quoi, voilà. Donc moi voilà, si vous êtes par exemple en survie, ce que je peux déjà vous conseiller c'est de pas mettre ces blocs là. Mais bon, là on est en créatif, donc bon, j'ai les blocs infinis. Comme vous avez pu voir aussi, je me limite à une certaine hauteur parce que là j'ai un escalier, hop, il va venir directement là. Parce que du coup, tout va être prolongé. Donc voilà, petite astuce. Encore une fois, du coup, ouais, moi je vais pas me limiter, les amis. Donc je vais faire directement ça. Je sais qu'il me faut en moyenne, du coup, là il va me falloir un bloc par contre. Pour le moment, je vais mettre un bloc. Là, j'en mets deux. Voire trois là, du coup. On va en mettre un quatrième là. Ça change pas grand chose. Si, 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 si. Donc voilà les amis, ensuite nous ce qu'on va faire, bah ça va être prendre ce toit là, le continuer jusqu'à peu près ce niveau là, et ensuite on va faire ce toit là. Donc vous allez voir que je vais couper net, je vais pas faire une partie du toit, mais les amis je pense que ça va être un peu long pour vous, alors un topeté accéléré comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure d'ailleurs. Donc les amis, j'ai dû faire un petit changement comme vous avez peut-être pu le voir pendant le petit timelapse là à la fin. J'ai tout descendu d'un cran. Pourquoi j'ai tout descendu d'un cran? Parce que c'était un poil trop haut en fait. Puisque j'avais décidé, je voulais faire un truc comme ça au début du toit. Et au final je suis passé directement sur des slabs pour adoucir la pente et du coup faire un arc vraiment plus propre. Voilà. Un peu comme celui-là. Voilà. Sauf que nous on l'a fait dans la tente. Bien évidemment ici nous on va rajouter une petite fenêtre, hein, on le fera après les amis. On va s'attaquer à cette partie de toit. Alors on va pas le faire entièrement ensemble les amis, mais on va le faire ensemble quand même, hein, voilà. Et on va d'ailleurs attaquer tout de suite. Tac tac tac, voilà. Donc pour ce toit, comme vous avez pu le voir, hein, il est assez complexe. Tellement complexe que il doit être hyper dur à réaliser en fait. Ça c'est moi ce que je me dis. Et si moi je me le dis, c'est à dire que pour vous ça va être pareil. Désolé les vrais maçons. Mais effectivement quand c'est dur à faire, en général, ça le sent pas bon. Voilà. Tac. Vous avez vu, voilà, je monte comme ça, hein, progressivement. Et du coup, nous, on va s'arrêter là. Tac, tac, tac.
Et ici, on va y mettre un petit truc comme ça. Et nos slabs. Un petit truc comme ça. Et lui, on va le casser. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors, je l'ai fait ici. Voilà. Donc, c'est juste un cran plus haut par rapport à là. Mais c'est pour une bonne raison. Et du coup, nous, on va redescendre notre toit tout de suite. Voilà. On va pas attendre. Voilà. Et du coup, ouais, on va devoir monter. Hein. Remarque, non, pas là. Là, ici, on va y mettre des blocs directement comme ça. Ici, on va monter. Non. Non, ça, c'est le toit. Hé, Alec, tu nous fais quoi? Non, le temps. Tac. Voilà. Tac. Vous avez vu, hein, au final, c'est assez rapide à faire. Bon, ça reste assez long. Ça reste un toit dans le style médiéval. Mais, toutefois, ça reste faisable. Enfin, je pense. Alors, je l'ai descendu comme ça, mais je crois que ça descend en bloc direct. Voilà, et ici d'ailleurs on va y mettre, je pense, des escaliers. Alors on va finir en slab, mais on va y mettre des escaliers. Peut-être pas là, remarque. Vraiment, à mon avis, à partir de là, ouais. Là, on va le descendre un tout petit peu plus. Voilà. Et du coup, là, on est en slab et on le descend complètement. Voilà. Et là, nous avons un trou. Mais Alec, qu'est-ce qu'on va faire de ce trou? Eh ben, on va le rebou... Ça peut être tellement détourné, les amis. Non, mais oui, plus sérieusement, du coup, ouais, en fait, on va refaire notre toit là. Et dès que ça rentre sur un escalier, on va casser. Et on va y mettre des blocs, tout ce qui est le plus basique. Voilà, pour du coup finir notre toit. Non, d'ailleurs il remonte encore. Voilà. Et du coup là nous avons un toit fini. Il va nous rester à boucher cette zone là. Alors soit au passage vous faites ça. Hop là. Alors soit vous faites l'intérieur au niveau des escaliers, tout le bordel. Vous pouvez, franchement, il n'y a pas grande perte. Hein, si vous le faites pas, c'est pas très visible dans tous les cas. Et voilà. Et du coup, nous, on va rajouter les détails. Donc, petite ellipse, le temps que je fasse le détail. Donc, les amis, je viens de finir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je pense, des simples petites briques. Voilà. Alors, non, peut-être pas. Allez, on va rester quand même dans notre thème. On va prendre de la stone brick. Voilà. Et on va y mettre notre cheminée à ce niveau-là, je pense. Ça peut être pas mal. Alors, bien évidemment, les amis, si vous voulez faire un truc un peu plus respectueux, je pense, on va le dire comme ça, bah, je vous invite à créer réellement une cheminée. Hein. Moi ça va être seulement décoratif et après ça sera diffusé sur Instagram. Je mets en photo du coup des photos Minecraft sur mon Insta. Si vous voulez voir, hein, pourquoi pas. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors on va pas le voir spécialement. Bon, c'est pas grave. On le verra peut-être de ce côté là. Ouais, ou alors faut vraiment que je le tourne comme ça, la photo. Voilà. Bref. Alors, on n'a pas fini. Attention, les amis. Là, je pense qu'on va partir sur un petit timelapse où on va dégrader la construction. Que ça va être, du coup, pour la diorite, on va mettre des blocs un peu plus lisses. Pour la stone, bah mettre des stones cassés, etc. Des petits détails, bref. Et, bien évidemment, la végétation autour, un petit arbre. Enfin, un grand arbre à ce niveau-là, je pense. Ou un petit puits, vous verrez bien. Bref, histoire vraiment de reboucher un peu tout ça et peut-être faire un chemin aussi.
ça peut être pas mal. Donc les amis, bah... Et re, les amis, comme vous avez pu le voir, oh mon dieu, la quantité de travail qu'il y avait à faire pour cette petite cabane. Aïe, pardon. Ça, c'est une cabane, les amis. Ça, c'est une maison dans l'hôtel médiéval. Vous verrez peut-être dans l'épisode prochain ce qui est vraiment une maison en ville, hein. Parce que ça, c'est vraiment une petite cabane, hein. Vraiment. Alors... Effectivement, du coup, ouais, je vous ai dit le prochain épisode qui sera du coup le mélange d'une boutique avec une auberge, enfin une maison. Bref, donc un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus grand au niveau surface, parce que là c'est vraiment tout petit. Mais autant médiévaux, c'était comme ça. Hein. Donc, je pense qu'on peut se mettre comme ça. Hein, vous avez pu voir, du coup, il y a beaucoup de végétation. J'ai pas rajouté, mais bien évidemment. Je pense qu'on va rajouter le dernier détail ensemble. Qui est basique maintenant, hein, je vais pas vous le mentir. Hein. C'est bah, des petites lanternes. Hein. Là, voilà. Vous pourriez peut-être en glisser une... bah là, peut-être, voilà. Ah, peut-être pas, non. Peut-être pas, remarque. D'accord, on peut pas en fixer sur ça. Bon, hein, voilà les amis. J'ai mis ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre du coup, la fondation qui est hyper grosse. Peut-être y mettre un escalier, hein, pourquoi pas, pour casser du coup le... Pour casser un peu l'effet cobble. Voilà. Je l'ai pas fait, hein. Hop, voilà. Tac. Allez, hop, là ici on va y mettre ça. Voilà, pour... polisser un peu, ouais, je sais pas si c'est le bon terme, pour rendre plus smooth en fait la stone brick. Non, parce que en vrai elle serait comme ça, hein, elle serait pas en état complet la fondation, voilà, donc ça ferait voilà un tout petit peu plus détroit. Et du coup, ouais, voilà, donc là nous avons notre baraque avec tac, on va y glisser une petite lanterne là parce que le spawn, voilà. Je vous ai pas montré au niveau du toit pour le rendre spawn-proof. Et bah, en fait, les amis, et bah, je vais pas vous mentir que c'est très simple. Puisque vous les avez, en fait, les plaques de pression en blackstone. Vous les avez. Et en fait, le toit, ici, il est déjà spawn-proof. J'ai mis des slabs exprès. Et voilà. Ni vu, ni connu. Ce que vous pouvez peut-être rajouter, je ne l'ai pas fait là, vous pouvez peut-être rajouter aussi. Voilà. Tac, tac. Encore une fois, ni vu, ni connu. Et ni populaire d'ailleurs. Donc voilà. Donc, les amis, si cette vidéo vous aura plu,
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, liker, partager bien évidemment. Et puis les amis, moi je vais vous dire bye bye tout le monde et à la prochaine avec cette magnifique maison médiévale. Allez, à tout le monde!